Et yop tout le monde, c'est Oranor et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre série sur Fallout 76. Je suis toujours en compagnie de Loan et Lan. Bonsoir, bonjour. Toujours en train de sauter comme, voilà. Comme quelqu'un de très joyeux, hein. D'ailleurs, Loa, juste, j'ai regardé en faisant le montage et j'ai pensé à un truc. Vu que j'avais fait des items sur ton camp, qu'on n'arrivait pas à remettre, je crois que tu peux les avoir, je pense, normalement, quand tu vas dans Fabriquer. Et tu regardes dans ressources, du coup c'est là que j'avais fait le dans artisanat pardon, c'est là que j'avais fait l'établi d'armes. Tu vas essayer de regarder, normalement tu dois en avoir un en stock je pense, ou alors dans l'onglet en stock peut-être même, tu vois c'est encore mieux dans l'onglet en stock. Tu dois en avoir en stock, non? Alors, je regarde. T'as rien en stock? Je vois surtout pas ce tomber en fait. C'est Je dans le les trouve premiers, c'est le deuxième. probablement. Ouais, c'est ça. Alors, un stock. Et après, comment on descend? Ah oui, hein, Bon. les... les Alors, menus hein, déjà, sur c'est PC, Z pour aller c'est... à gauche et C pour aller à droite, mais pour haut et bas, je sais pas. C'est avec les flèches du clavier. Oui, effectivement. Bon. Sinon, il y a Donc S établi peut-être, je sais pas. d'armes. Établi d'armes, variante 1 sur 2. C'est ça, bah, Et bah, du coup. donc établi, hein, donc tu en fait tu peux le leur poser comme ça. Et à mon avis, il doit y avoir moyen, c'est de le poser juste comme ça. Oui. N'importe où, hein, voilà. Et normalement, quand tu actionnes, quand tu vises ton camp ou un truc, doit pas y avoir quelque chose comme sauvegarder le plan ou quelque chose du genre. Non. Après ça, je peux pas vraiment le voir, Probablement. mais. J'ai fabriqué, recyclé, marqué pour recherche, passé à la modification et quitté. Et à part ça. Alors, il y a effacer plan. Moi, je peux pas accéder depuis ton truc, mais marqué pour recherche, Bon, c'est quand t'as mais des. tu veux. Ah non, tu peux pas, oui, tu peux pas. Ça, c'est mon camp, donc du coup, tu peux pas, c'est ça. Bah ouais, je peux pas. Mais j'ai pas envie d'en recraft un si tu veux. En gros, marqué pour recherche, c'est quand tu. T'as des objets qui te manquent et ça te met une petite loupe à côté du bric-à-brac qui correspond. Ça t'évite de, par exemple, jeter des trucs qui sont utiles. Par contre, ça me dit B marqué pour recherche. Sauf que c'est aussi. Ah non, attends, marqué pour recherche, c'est plus B, c'est pas ça la modification. Ça va être ça du coup. Non. RS, ça. Ouais, nickel. Putain, j'ai pas l'habitude des manettes. Donc je voulais juste Recycler la rechercher les vis et cache. l'aluminium parce que c'est assez rare, je trouve. Bon, en tout cas, tu vois, ils se sont pas perdus, donc il y a toujours moyen de les replacer. Après, faut que tu trouves comment sauvegarder les plans. On n'a pas encore bien vu ça, Alors, mais il y a ça doit être. plan, attends. Attends, je vais peut-être trouver. Dans plan, passer à la modification, on va voir. Passer à la construction, maintenir plan. End. Plan X nouveau, Stocker, recycler. je vais Attends, l'appeler maintenir plan. Ah, faut maintenir peut-être. voilà, test. Voilà. J'ai créé le plan test. Et du coup, je sais pas si tu Alors as accès au ça. plan test. C'est juste un établi le plan test. Choisir structure. Z. On va voir. Développer sélection. Oh le Bon, nombre. Créer plan. Tiens, R. Le nombre de structures. Je regarderai Les ça plans moi. nouveaux. Alors attends, on va mettre plan A. Voilà. Moi j'ai écrit plan test. De toute façon, je vais tester ça moi après sur mon truc de construction. Mais en gros, voilà. Donc, ils étaient pas perdus les trucs qu'on a déplacés. Ça me faisait un peu peur. Je me dis bah merde. Mais en fait, non. Voilà, c'était aussi con que ça. Il suffit juste de gérer le plan. Ils sont mis en stock et pour éviter d'avoir redispatché, repositionné tout, à chaque fois, faut essayer de mettre un plan. Et pareil pour les établis, j'ai l'impression qu'en fait ça compte comme si j'utilisais que si je modifie des objets dessus. Mais si je fais juste recycler des objets, par exemple, tu peux aussi y accéder. De ce que j'ai vu. Oui, j'ai cru aussi, oui. Voilà. Attends, je vais juste recycler tout mon merdier. Non, pas celui-là. Très bien. Celui-ci. Tant que je suis là. Pour éviter d'être trop lourd pour la suite des événements, parce qu'être lourd, c'est chiant. Et le pistolet, je sais pas lequel je garde encore de 10 mm. Si je recycle ça. Ça franchement. Je gagne quasiment rien à recycler ce truc là. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Brassard droit. Cabouille poche. Brassard droit, poids plume, cuir armé. 22. 27. Ouais bah je vais virer l'autre. Très bien. Voilà.
Bon, du coup, on a compris un petit peu plus comment ça marchait au niveau des plans. Je vous montrerai, vous inquiétez pas, sur mon établi quand j'aurai accumulé un peu plus de ressources que ça, parce que pour l'instant, on est un petit peu léger. Je verrai quand on en aura plus pour la construction. Alors, sinon, autre point. Alors, le dernier épisode, vous constaterez que je n'ai pas dit bonjour, et celui d'avant, je n'ai pas dit au revoir. Pour une raison simple, en fait, c'est-à-dire que la session de record était assez longue et j'ai décidé de couper en deux l'épisode. Plutôt que d'en faire un d'une heure et des poussières. Donc c'est pour ça, donc rien à voir avec le fait que je sois un connard, même si effectivement ça m'arrive. Non, c'est juste stocker bric-à-brac. Voilà, tout à fait. Bon, du coup on va continuer. Par contre, sur la map, il y a plus de gens qu'hier là où on va aller. Bon, c'est rien de non plus transcendant hein, par rapport aux 5, 6, 7 personnes qu'il y avait hier soir. Mais tout de même. Alors, pareil, je pense que je virerai un peu plus de passages à l'avenir. Tout ce qui est trajet, blablabla, ou même les holobandes, parce qu'il y en a partout des holobandes. Si je devais toutes les laisser, je prendrais 1h20 par épisode, donc 40 minutes de blanc à écouter. Et je pense que ça serait assez problématique, hein, on va pas se cacher. Donc je laisserai que les scènes intéressantes, d'action, genre de choses. Il y a un signal d'ailleurs. Peut-être regarder la radio après. Attends, oui, radio. C'est quoi ? Station d'un proie chasseur ? Wilton ou je sais pas quoi, j'ai pas le temps de voir. Grafton, pardon. GWGRF, Grafton. Quête commencée, office de tourisme. Putain, elle est super faible en volume. Il va falloir que je remonte le son moi, de la radio parce que j'ai trop baissé tout à l'heure. Ah, mais je crois que ça vient de la radio parce que moi j'entends rien non plus quasiment. Alors que l'autre j'entendais. Attends, je vais régler ça. Attends, je vais faire pareil du coup. Montons la radio. NB. Option. Hop. Audio et radio. Putain, il est horrible ce bouton. Même le bouton est horrible à bouger. Radio de Grafton. Oui. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Personne. En plus, il n'y a pas de sous-titres, c'est chiant. Bon. Ah, effectivement, oui. Venez me voir à la mairie. Ok, bon, en gros, voilà l'idée. Je vais changer du coup. Je vais remettre ma radio Appalaches. Très bien. Tiens, je crois, c'est un des endroits où je suis passé sur le pendant la bêta. On arrive presque d'ailleurs. Hein. Vous inquiétez pas pour ceux qui veulent que je découvre en même temps. Défi terminé, level 6. Gagner un niveau. Très bien. Pour ceux qui voudraient que je découvre par moi-même des trucs, vous inquiétez pas. Hein. J'arrive quasiment à l'endroit où j'avais arrêté pendant la bêta. Et de mémoire, il y avait un exosquelette dans un des wagons. Il tourne complètement en boucle, le robot, là, au niveau de la radio. Ouais, ah. Bah c'est pour ça que j'ai changé de radio direct. Ah, mais l'exosquelette n'est plus là, donc quelqu'un a dû le ramasser. Par contre, il y a plein de bruit de pas. Et le dernier coup, j'étais tombé dans une putain d'embuscade, ici. Je crois qu'ils sont... Attends, pour le train... On se sépare, pour couvrir plus de distance. Dans un des wagons, tu regarderas, il y a une boîte de munitions. Ouais, pour l'instant on va essayer de clean la zone. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça va, c'est que du level 1. Merde. Chaque fois je me trompe de touche entre le SVAV et le corps à corps. Heureusement que pour la grenade c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si je balançais une grenade à chaque fois que je me trompais de touche, ça serait problématique. Je crois que c'est ça la grenade. Oula, j'ai brûlé avec. J'ai brûlé. T'es en feu. Je brûle. Oh mon dieu. You are on fire. Ah ouais, bah là je pense que c'est le mot. Alors je crois que mon arme est nulle. Les armes à verrou, c'est horriblement long. Ah oui, à recharger là, c'est un coup et ça fait beaucoup plus de dégâts, mais par contre. Pas recharger en fait, c'est juste enlever la douille et. Et oui, faire non, avancer ouais, non, mais je vois. Mais je m'en servais aussi au début. Par contre, il fait beaucoup plus de dégâts que les armes automatiques. Enfin, ouais, semi-automatiques. Bon, par contre, le mob là, le mob là où je suis, tu devrais le fouiller. Je pense que c'était un mob légendaire parce qu'il avait 15 000 trucs sur lui. Là où je suis à côté. Je vais le faire. Merde. Mais il va falloir que je trouve aussi le moyen de couper cette radio quand j'aurai du temps. Ce qui me casse la tête.
Attends, je vais regarder ce que j'ai récup dès qu'on a fait le tour. Apparemment, je suis en surcharge pondérale. Eh non, mais pareil. Non, mais là, il avait tellement de choses sur lui, le mec. Alors, attends, qu'est-ce qu'il avait? Arme. Là, j'ai chopé 3 flingues. D'ailleurs, t'as équipé des flingues level 5 maintenant, vu qu'on avait passé aux armes level 5. Oui. Je préfère demander, hein. Grenade, balle de baseball. Oui, très bien, des grenades, balles de baseball. Oh, 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 oh. Seulement, ça le mérite d'être précis. Ouais, hein. Fusil de chasse. Calibrage fusil de chasse. Je vais le mettre en favori. C'est des points 308. Et putain, mon gars, fusil à pompe. Ah, par contre, j'ai pas beaucoup de cartouches. J'en ai que. Je vais mettre au favori aussi, mais je n'ai que 4 cartouches de fusil à pompe. Donc on va pas l'utiliser maintenant. Je suis plus sniper que fusil à pompe. Ouais. C'est quoi, c'est un pistolet laser ça? J'ai eu un pistolet laser en plus, mon gars. Bordel, j'ai eu un pistolet laser, un fusil à pompe et un fusil de chasse. Enfin, j'ai eu même 2 fusils de chasse. Alors celui-là il coûte 43 et l'autre fusil de chasse combien il coûte? Je regarde le prix pour voir plus ou moins plus ou moins ce qui est meilleur entre guillemets que les autres items. Alors attends, je vais regarder vite fait ce que j'ai. Alors j'ai pistolet laser. Ça je vais pas l'utiliser parce que j'ai que 14 balles, donc 14 cellules en l'occurrence. Je croyais que tu disais de toute façon que ce qu'on pouvait acheter c'était des trucs. Ouf, bah, sur le premier marchand, j'avais regardé, il y avait genre pistolet 10 mm, tu vois. Au moment où on l'a regardé, on en avait ni l'un ni l'autre, on a fait la grotte, on a chopé un tous les deux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, du coup, quel est l'intérêt d'avoir. Je pense que surtout pour les munitions, pour les matériaux, matières premières. Enfin, moi, si je l'utilise, je pense que ce serait on surtout peut les pour acheter, ça. C'est ça. Bah, je sais pas, mais si je devais en acheter, moi, en tout cas, ce serait. Alors, le fusil à pompe. Oh, regardez, hey, il est magnifique. Hein. Bon, j'ai que 4 balles, donc on va pas l'utiliser pour l'instant. Et du coup, il va vraiment falloir que je me vide parce que là, fusil de chasse, ça par contre, fusil de chasse, ça a l'air assez fun. Bon, ça tire au coup par coup, à mon avis, comme l'autre flingue qu'on a, enfin que tu disais tout à l'heure là. Mais on a carrément appris un plan de fusil de chasse en déconstruisant un truc. Non, dans les notes, faut regarder de temps en temps. Ah, ouais, putain, c'est vrai. Je sais pas si je l'aurais montré ça dans la dernière vidéo, je pense pas. Je sais pas, là tu peux le faire. En tout cas, je vais regarder vite fait. Donc, les plans, notes. Donc, on chope des notes de temps en temps. Et en fait, des fois, on chope des plans. Il faut les apprendre manuellement. Regardez là, par exemple, table de bouillard, tout ça. Table de billard, tabouret en métal. Il faut les apprendre manuellement. Recette, élixir, tonique. Bon, après, ça pèse rien tout ce bordel. Il y avait un atelier quelque part par là, je pense, pour vider ici, son. Ici, là où je suis. Je suis dessus. Tiens, on pouvait descendre encore plus bas, je sais pas ce qu'il y a en plus bas. Tous les coups, rien du tout, mais. Ah non, c'est la sortie de l'autre côté. Non, il y avait rien. Ok, je suis descendu pour rien. Ou peut-être là, lueur d'espoir. Non, que dalle. Bon, j'arrive. En fait, c'est juste un établi d'armure. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux quand même déconstruire les trucs. Ouais, aussi. Tu peux juste pas craft. D'ailleurs, ce que je te conseille de faire pour te retrouver dans ton inventaire. Parce que je sais que la gestion de l'inventaire pour toi c'est primordial. Je sais que tu es quelqu'un très ordonné dans ton inventaire. Donc du coup ouais, n'hésite pas à mettre en favori, tu vois, les items qui te semblent utiles et comme ça tu déconstruis les autres. Il y a un petit cœur devant, ouais. Alors recycler objet. Donc bric-à-brac déjà, très bien. Hop, ensuite ça. Je crois que j'ai déconstruit un de mes flingues d'ailleurs, parce que là je vois plus de cœur. Non mais c'est bizarre. Couteau de lancer, j'en ai 5. On va pas déconstruire une quantité. J'ai l'impression qu'on peut déconstruire que un par un, en fait. Bah, j'ai l'impression aussi. C'est dommage. Revolver de fortune, ouais, ça se. C'est le genre de truc que j'utilise tellement pas. Bon, je vais en garder un au cas où. Fusil de chasse, fusil de chasse, fusil de chasse. Viseur laser, nickel. Hop. Ah tiens, on peut trier par poids, ça peut être intéressant. Attends, j'ai tellement de pistolets 10 mm, ça veut rien dire. Par exemple, ouais, moi aussi j'ai un fusil de chasse, j'ai même pas fait gaffe. Bah, je pense que c'est sur le j'ai un fusil deux fusils de chasse, un fusil à pompe. Non, j'ai 4 fusils de chasse. Je sais plus quoi en faire, il va falloir que je les construise.
J'ai des jambières de cuir bouilli dans mes raccourcis, attends. Hop, très bien. Et j'ai gagné un niveau aussi, tiens. Vous possédez un pack d'aptitudes. Allez, attends, on va ouvrir mon petit paquet de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, boire le poids de toutes les drogues, nanana, toutes les boissons. Fin d'action sur les nerfs 15% plus rapidement. Il y a trois types de personnes, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter. Putain, d'accord. C'est trop ça. Bah, c'est pour ça. Ouais, il essaye, il sait pas compter. C'est ça. Oh putain. Est-ce que je mets un point en endurance? Alors, est-ce que je peux augmenter encore le crochetage? Non, c'est pas là-dedans, donc je vais juste monter une fois en crochetage et c'est tout. Donc on a dit que c'est toi qui montais pirate. Tiens, j'ai débloqué aussi cette carte-là que j'avais pas assez. Je n'ai pas assez au level dernier coup. Est-ce que je continue de monter farfouilleur? Ou est-ce que je monte endurance pour les boyaux plombés? J'aimerais bien monter ça. Quand vous buvez, vous mangez. J'ai bien envie de prendre ça pour prendre moins de radiation. Voilà. Alors, endurance. Donc déjà, je peux mettre ça en force. Le poids de toutes les drogues dans les steam packs est réduit de 30%. C'est sympa, ça, en force. Bon, après, c'est pas plus lourd, les drogues, mais... Alors, endurance, pharmacien. Ok. Et homme d'action. Ah, il faudrait que je fusionne avec l'autre, mais il faudrait que je gagne un niveau en agilité pour ça. Et j'ai un point d'endurance, donc je mets quoi? Soit de donner moins de maladie, ou soit de boire moins souvent. On va boire moins souvent, puisque techniquement, si on boit moins souvent, on a moins de chances d'être malade. Et surtout t'irradier. C'est ça. Tu sais comment mettre tes cartes, on est d'accord, hein? Oui. Enfin, je crois. Oui, je suppose, peut-être, il semblerait qu'effectivement, ce soit possible. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut fabriquer à l'établi de chimie? Sûrement des drogues, je suppose, mais est-ce qu'on peut, au niveau de la guérison surtout, steampack dilué. Un steampack de base, ça doit donner 30% de vie, là ça donne que 10%, plus 10% sur la durée, donc c'est un peu moins efficace, mais on en a deux. Bah, je vais... Voilà. Ah, mais ça crame deux eaux purifiées, par contre. Ouais, je vais garder les deux autres eaux purifiées au cas où. Munitions, on peut craft de la poudre à canon. Poudre à canon, est-ce que ça peut faire... faire du carburant, des réacteurs... On peut craft des réacteurs à fusion? Putain, de mémoire sur Fallout... Alors, sur Fallout 4, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'on pouvait pas le faire, en fait. De mémoire... Truc pour faire bouger les armures, c'est ça? C'est ça, et c'était super chiant sur Fallout. Fallout, fallait toutes les garder de côté. J'en avais une trentaine dans mon inventaire, parce que ça partait super vite. Et là, on peut les craft, visiblement. Bon, après, il faut quoi? Flux cobalt pur, flux fluorescent pur, flux mauve pur, flux pourpre pur, flux uranite pur. À mon avis, c'est pas le genre de truc que tu trouves partout, hein, mais... Attends, du coup, je vais prendre un petit steam pack dilué. Vite fait, on va comparer avec les steam packs, juste voir si ça vaut le coup. Steam pack, ça rend 40% et 20%. Là, c'est 20% et 10%. Donc, c'est effectivement deux fois moins efficace. Mais on en produit x2, donc faut voir. Y avait pas des établis d'armes quelque part par là? Armure, oui. Arme, j'ai pas vu. Parce qu'il me faudrait arme, j'aimerais bien essayer de modifier mes fusils à pompe et tout ce bordel. Bon, c'est pas grave. Bon, je suis content là pour le fusil à pompe et le fusil de chasse. Par contre, il faudrait que je me trompe d'arme équipée. Pisse à 10 mm, arme de fortune. Donc ça, c'est ce que j'avais tout à l'heure, très bien. L'arme à verrou. C'est ce que toi t'as et que c'est de la merde. Ouais, ça met 3 plombes à tirer, forcément. Je vais partir sur le fusil de chasse au début. C'est une cadence assez lente, mais il me plaît bien le fusil de chasse. Il me parle. Bon, on continue d'avancer. Ou tu fais quoi? Tu fouilles? T'as un truc sur la tête? Qu'est-ce que c'est? Ok.
casque de mineur, au moins. C'est normal qu'il soit rose. Ça devait être inclus dans l'offre de vente, mais... Oui, de toute façon, c'est pas... On sait tous que tu t'en fous. Tous. Oui, bah maintenant, on sait tous que tu t'en fous. Tu l'as craft ou comment t'as fait, en fait? Non, non, j'ai dû le trouver dans la mine, je pense. D'accord. On peut pas craft quoi en armure? Non, on peut pas craft de casque. Je m'endors avec mon casque rose pour regagner des vies. Ah oui, sur le... Ah. Vous malade êtes... Non, putain. C'est ça? Allez, rebelote. Bon, en fait, c'est une mauvaise idée hein, de coucher dehors. T'es remalade? Ah oui, alors, on savait pas comment résoudre le problème de la maladie. Apparemment, je me suis renseigné vite fait. C'est juste un timer, en fait. Il faut recoucher par terre. Ça, ouais. Ça soigne toute alors déjà, maladie. Oui, il ne faut pas dormir par terre, effectivement. Mais en fait, c'est un timer. À partir du moment où on est malade, on a un timer. Et là, il y a un établi d'armes. Je vais pouvoir modifier. Il y a un timer à partir du moment où on est malade, il faut attendre un certain temps pour ne plus l'être, hein, tout simplement. Hop. Alors par contre, j'aimerais du coup modifier mon fusil de chasse. Non, pas recycler, modifier. Donc c'est pas ça, c'est dans... C'est toi qui tire ou c'est des pas peut-être que j'entends? C'est moi, oui, qui jump, qui tire pas, mais... Tu sautes partout, très bien. Et c'est bien, pas tu partout, te... j'essaye de grimper sur des trucs, quoi. T'as aluminium et vis, mon gars, mais... Pour voir s'il n'y a pas des trucs de cachés. Il me faut des vis et de l'aluminium pour tout. Eh ben, hein, merde là. Je peux t'en passer, hein, si tu veux. Non, mais ça a l'air d'être utile pour tous les crafts, donc garde-les plutôt. Bon, on va continuer le chemin. Ah, on peut pas passer par là. Zut. Ah, je crois que j'ai soif. Alors il faut boire. Eh, mais j'y arrive pas. Alors il faut te forcer. Oula, petit freeze. Tout va bien. Munition, munition. Ah. Et saute, connard. Ah, il y a des caisses de l'autre côté, attends. Ça va être plus simple comme ça. Étonnamment, ça marche beaucoup mieux. Cartouche de 10 mm. Ça me fera un peu plus de balles de 10 mm. Là, qu'est-ce qu'on a? Psycho. Ventilateur du bureau, très bien, je prends. Au bout, c'est quoi en dessous là? Patrie de fortune. Aucune idée à quoi ça sert. A priori, il faut trouver des caches de matériel hein, donc. Où ça? Quelle quête? Ah oui, divers. Tu veux pas? Si, si. Tu l'as, oui. Si. Alors attends, c'est marqué sur la carte. Ouais. Bah vas-y, on va. Tu vas sur celle. Comment? Plus à l'est et moi je vais plus à l'ouest sur ta map. Oui. Comme ça on se répartit les tâches. Je pense que ça doit être tout en haut là, de mon truc. A moins que ce soit ça. Cache d'explosifs. Donc, caisse d'explosifs. Bon, ça doit être en avis peut-être que c'est. Batterie de fortune. Ah, c'est partagé. Enfin c'est. Tu sais, on peut. Faudrait qu'on fouille tous les deux probablement. Oui bah c'est pour ça que je te dis. Ah non mais d'accord oui. Évidemment pour les conteneurs, mais là c'est pour la quête, à tous les coups y'a rien à fouiller dedans, ça c'est juste l'activer. Attends, je vais voir s'il y a un truc dedans ou pas. Donc il faut que j'aille ensuite par là-bas, ok. Hop. Je ramasse un extincteur, très bien. On est jamais trop prudent si jamais je refais une petite connerie avec mon cocktail Molotov. Putain, la vache, c'est tout en haut, je suis sûr, la cache. Alors. Ça doit être là. Grenade à fragmentation. Alors, Carter, traître. Sam Blackwell et Queen Carter, traître. Si vous ou moi étions dans une pièce et que nous rapportions un vol, et qu'ensuite nous refusions de donner des informations sur les coupables, on nous mettrait en prison. Mais Queen Carter est libre, alors qu'elle a interviewé un homme coupable d'un crime bien plus grave. Mobilisez-vous pour la justice et refusez d'acheter le Charleston Herald jusqu'à ce que Queen Carter soit... inculpée pour conspiration en vue d'une trahison ou qu'elle révèle le lieu où se trouve le traître Sam Blackwell et ses acolytes sécessionnistes des états libres. Les citoyens de Charleston contre la corruption. Ok. Vous êtes en surcharge. Encore?
Par contre, la cache, elle doit être quelque part. Ah, cache de Samaritaine. Alors, dedans, il y a une capsule, un bras droit en bois et trois argents d'avant-garde. Donc, effectivement, il y a des trucs. Moi, je cherche, je ne trouve pas. Ah, bah, bravo. On te laisse te débrouiller tout seul et ça y est. Faut tout faire soi-même ici, de toute façon. Allez, trouver. Ouais, c'est bon. Capsule fusée éclairante, pistolet à fusée, argent d'avant-garde. Je te trouve très médisant. Moi médisant? Tu me connais si bien que ça? Bien possible. Établi d'armes là si tu veux. Ouais, ouais, j'avais déjà regardé, mais justement, c'est suite à ça que je t'ai dit putain, en fait, il me manque trop de vis et d'aluminium. Je suis sur les toits, moi. Ouais, visiblement, faut le faire tous les deux. Hein. J'ai bien ce que j'avais raison en fait. Ah, ouais, ouais, effectivement. Elle est où la tienne? Ah. Dans un des conteneurs ouais. Entre les conteneurs? Non, dans un conteneur. Ouais, c'est bon, j'ai. Capsule, fusée éclairante, pistolet en fusée. C'est ça. C'est bon, la quête est partie. Bon, après, c'est divers, c'est pas des gros sketchs, je crois que c'est plus des. Genre, juste pour nous aiguiller vers des trucs qui nous fileraient du loot. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire recycler. Ah, bah attends, j'ai pas assez de vis, de toute façon. Me narque pas. Recycler, oui, Cabrac, ouais. Va falloir que je vire des trucs parce que je. C'est un fusée. C'est marrant parce que je connais quelqu'un il y a pas longtemps qui disait qu'au niveau de l'inventaire c'était plutôt pas mal. Bah, effectivement, j'ai rien eu à acheter depuis le début. Mais je sais pas pourquoi je suis trop lourd en fait, parce que il faudra que je stocke des trucs, mais parce que niveau armes ça devrait aller. Je vais regarder à peu près. Comment t'as dit qu'on pouvait pour trier par poids? Trier, c'est LS. Plein de trucs. Attends. Poids, valeur, dégâts. Ça. C'est ça, ouais. LS. Trier, valeur. Ah oui, poids, ok. Donc. Aide. On va aller tout en haut. Je pense que c'est dans le truc de bouffe. Poids 1, poids 0,35, 0,25, poids 1. 0,1, mais ça trie pas par poids là. Ah non, il faut retrier par poids, putain. D'accord, en fait, j'ai changé le menu, ça a enlevé le tri par poids. 1, 5, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Ouais, je pense que c'est à cause de la bouffe. Je dois avoir trop de trucs de bouffe, en fait. D'hiver, bah j'ai rien, quasiment. Les holos, ça pèse rien. Les notes, ça pèse rien. Le bric-à-brac, je stocke très régulièrement, donc ça devrait aller. J'ai vraiment envie de sauter pour savoir. Ah merde, les dégâts de chute. Bah essaye. Je viens de voir que les munitions, il y avait du poids dessus. Ah bah je suis mort. T'es sérieux? Grièvement blessé, 27 secondes. Ah bah merde, attends, j'arrive. J'ai demandé de l'aide. Il faut que tu viennes à mon avis. Rapidement. Ah. Tu verrais l'icône quand tu demandes de l'aide, mon gars. Mais si je le vois au-dessus de moi, là. Un mec paniqué. Donc il y a donc des dégâts de chute. Ah, en fait, il y a pas d'entre-deux. C'est soit tu prends 0 dégâts, soit tu meurs. Enfin, meurs. T'es encore en train d'agiter les bras partout. Voilà, c'est ouais, bon. Peut-être parce que j'ai spammé la touche un peu trop. Ah, au secours, au secours, au secours. Va falloir que je trouve une cache et que je mette mon merdier, tout ce qui est bouffe et tout, parce que c'est ça en fait qui me prend beaucoup de place niveau poids. Parce que je l'ai jamais vidé en fait depuis le début du jeu. Je virais tout ce qui était bric-à-brac et tout le bordel, mais la bouffe. Du coup. Ouais, c'est pareil. On continue la quête principale, tu veux qu'on se balade un peu? Parce que le problème c'est que la quête principale, là je voyais 4 mecs en fait. On parce peut aller check. Je vais surtout le vider parce que j'en sais rien. Ah, mais t'as toujours pas. Bah, repose ton corps. Attends, je vais peut-être poser le mien. Ah, oh, je sais pas, en fait, ça me fait chier de poser le mien sans avoir de cash et tout le bordel. J'aimerais bien pouvoir avoir de l'aluminium et des machins là, pour craft des trucs. Je vais le faire. Ah, attends, il y a un coffre fort là-haut. Oui, je l'ai fait. Ah, d'accord, ok. Merci de me prévenir, c'est sympa. Compact, fusil à pompe, données techniques, argent d'avant-guerre. Elle sert à quelque chose, les données techniques ou. Je sais pas. Cher Spence. Bon, tu avais raison, je n'aurais jamais dû faire ce voyage. J'aurais dû laisser Paul encaisser ça plutôt que de proposer de prendre sa place pour qu'il puisse aller à ce stupide concert. Et maintenant, je suis coincé ici, en Virginie Occidentale, bien loin du Kansas. Ça fait un petit moment que... J'ai pas fait suivant, j'ai fait prendre. Alors, cher Spence. Ça fait un petit moment que je regardais ces rails. J'essaie de me dire que je pourrais les suivre. Je pourrais marcher à côté pendant des jours jusqu'à ce que je te rejoigne. Ça vaudrait le coup d'essayer, non? Pour se voir à nouveau. Ou ne serait-ce que juste pour me rapprocher de toi. Je crois que c'est tout ce que je demande, d'être un peu plus proche de toi. Avant que le rideau ne tombe. Je t'aimerai toujours, Elliot.
Donc là, en gros, le message, il nous dit que si on suit les rails, on tombera sur... Ah, c'est ça, ça m'a mis une quête. Non, non, parler aux morts, parler aux mères, en fait. Mais en théorie, il devrait y avoir son pote. Mort. Et son campement. T'as réussi à poser ton camp aussi. Je sais plus comment on le fait. Non, c'est ici, on l'a trouvé. Mais c'est pas cher, c'est 5 Nuka-Cola, enfin, capsules. Oui, c'est pour ça, mais moi, en fait, ça m'emmerde pas au niveau des capsules, ça m'emmerde au niveau des crafts. Moi, toi, t'as des établis et tout, moi, j'ai rien. Enfin, que je crafte après plus tard, mais pour ça, il faut de l'aluminium et des vis et tout ça. Ah, ça, castagne. Contre toi? Non, mais je sais pas, mon coin. Et tu remarqueras que tu peux te déplacer alors que t'es trop lourd et que ça t'handicape pas trop. Moi, c'est des fusils laser ou des trucs comme ça, je vois des traits rouges. Par là. Mais je peux toujours pas poser mon camp. C'est un protectron, il est ennemi ou pas? T'es un copain? Ah, non! Ah, c'est un événement la zone. Nourrir les habitants. Ça freeze un peu trop là. De mon côté, moi ça va, t'as mis le jeu en moyen? Je te conseille de le mettre en moyen et de relancer la partie si jamais moi, même avec le record. En moyen, ça va. C'est complètement bloqué en fait. Ah, t'es figé. Bah ouais, du coup, Alt F4 quoi. Alt F4, mais le jeu moyen relance. Si jamais, hein. Moi en tout cas, moyen, j'ai aucun freeze. Enfin, juste des légers de 0,02 secondes quoi, mais par rapport en normal, enfin en haut où j'avais. J'en avais beaucoup. J'étais en ultra là, actuellement. Ah oui, t'es en ultra. Attends, y'a un coffre là-haut. Je vais mettre en haut alors. Moi, je suis en moyen. Hop, je vais quitter alors. Mais après, moi Ah, y'a des joueurs là. Attends. Ouais, je t'attends. Y'a des joueurs, mais level 8 et level 11, je veux pas. T'as plaît? Non, par contre, fais vite parce que j'ai peur qu'ils nous volent le loot. Je sais pas si c'est possible en fait. Ce fameux client toujours bien foutu. Ah, bah il me balance une grenade. Le jeu est toujours en cours. Non, c'est pas sur moi. Ça, d'accord, c'était en dessous. Ça m'a fait flipper, j'ai vu une petite icône de grenade. Bon, je suis sur le toit. En fait, si je reste sur le toit, c'est pas parce que j'aime bien le toit, hein, même si on a une belle vue. Remarque, ouais. En attendant, on va regarder. En attendant loin, on va regarder la vue. Vous et moi. Regardez. Bon, là, on a vu un joueur qui s'amuse à se balader et il essaie de me tirer dessus. Ah non, mais attends, c'est pas un joueur, ça. Si, c'est un joueur, cybergamer. On va pas répondre du coup. Le PVP, on verra plus tard. Hein. J'ai pas envie de m'en occuper pour le moment. Du coup, si je reste sur le toit, en fait, c'est pas pour. C'est pas pour faire joli. C'est juste pour essayer de crocheter le coffre qui est posé à côté, vu que j'ai des compétences crochetage. Donc là, les mecs, ils essayent de faire du PVP, mais je ne réponds pas à leur. À leur coup. Donc, voilà, donc. En gros, ils vont mettre quelque chose comme 5% de dégâts jusqu'à ce qu'ils me tuent si jamais ils sont vraiment très motivés. Le mec, il est toujours à côté de moi en train de me viser avec son flingue. Il a pas compris que je voulais pas. Je vais lui faire un petit emote content. Ah bah, il est parti. Du coup, est-ce qu'on peut. Ah bah, du coup, il a déverrouillé. Je peux le fouiller pour lui le coffre. En fait, il est généreux. Il y a un mec qui est coincé dans une. Dans une fenêtre, il est en train de tomber. Non, c'est mort. Je vais lui faire coucou. Bon, ça va, t'as fini de me taper? En train de balancer des grenades et des trucs alors que moi je suis en mode je m'en fous. Motivé les mecs. Hein. Ah oui, d'ailleurs je te le dis Loa, tant qu'on. Même si là ils arrivent à me tuer parce que là ils ont quand même enlevé un tiers de ma vie depuis tout à l'heure alors qu'ils sont tous en train de me taper, de me donner des coups et des machins. Si jamais ils me tuent, bon déjà moi je perds rien. Premièrement, je perds en fait mes matériaux de construction, ils seront pas perdus, ils seront dans un sac que les joueurs ne peuvent pas récupérer, il n'y a que moi qui dois le récupérer en venant sur mon cadavre. Mais eux en revanche ils auront une prime sur leur tête qui leur coûtera quelque chose comme
100 et quelques capsules, tu vois, de leur poche. Tu vois l'idée? Oui. Donc en gros, ils ont tout à perdre à me tuer si je veux pas PVP. Et c'est ça qui est sympa et pas sympa à la fois. C'est sympa pour les joueurs qui veulent s'amuser tranquille et qui veulent pas être emmerdés. Hein, on va pas se le cacher. Parce que dans tous les jeux de survie, tout ça, t'as toujours des joueurs cancer qui farment les joueurs bas level. Mais en même temps, pour les gens qui sont fans de PVP comme toi, je suppose que ça peut poser problème, le fait d'être assez restreint à ce niveau-là. Bah, à partir du moment où tu joues un jeu en ligne, j'ai envie de dire, c'est un peu bête ou bizarre ou dommage de vouloir jouer tout seul dans son coin, quoi. Ah non, mais je parle de... On joue pas tout seul dans notre coin, là, par exemple. Mais on fait non, pas spécialement PVP mais non plus. Je veux dire, sans aucune interaction avec les autres, c'est ouais, un peu... je sais. Bah, effectivement, dans le jeu, toi, tu parles en tant que connaisseur de jeu en ligne, mais moi, je vais parler en tant que... à la fois connaisseur de jeu en ligne et de Fallout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à la licence qui... justement été bloqué par le fait que ce soit online parce qu'ils aimeraient bien y jouer tout seul pour le découvrir et l'explorer, tu vois, parce que c'est une licence solo oui, et ça fait voilà. Oui, à la base oui, mais c'est, ouais, c'est justement pour ça à mon avis qu'ils ont mis ce genre de système mais... je pense aussi c'est un peu comme Elder Scrolls Legends pas Legends mais Elder Scrolls Online vu que c'est surtout une licence solo. Bah, j'ai joué moi avec des potes et puis même j'ai joué un peu solo, franchement en solo tu t'amuses bien alors que c'est un MMO, mais vraiment les quêtes elles sont super bien construites etc, et pourtant c'est un MMO, donc tu vois vraiment c'est une manière de faire, quoi. Mode pacifiste. Hein? Oh, il y a un mode. Tu peux l'activer, comme ça, si jamais tu touches par erreur un autre joueur, ça marche pas. En mode pacifiste, vous ne pouvez pas blesser les autres joueurs. Et vous choisissez de ne pas participer en JCJ. Joueur contre joueur. Bah, je vais mettre ça, tu vois. Comme ça, si jamais, tu vois, il y a un mec qui fait exprès de se mettre entre moi et un mob. Tu vois? Parce qu'à mon avis, je pense que, hein, c'est, même si c'est Fallout, on connaît tous les gens comment ils sont sur les jeux online. À mon avis, ce genre de plan foireux, il y a des gens qui se mettent à la fois, enfin, un endroit exprès, de pop de mode. Ouais, comme pour les photobombes, tu sais, ils se mettent devant l'objectif de la caméra. Bah là, c'est devant l'objectif de ton arme. Bah, non mais je pense que c'est ça en vrai. Donc c'est pour ça, je vais mettre le mode pacifiste comme ça, même si ça arrive, pas de souci. C'est pratique ça. Mais du coup, au lieu de mettre un mode pacifiste et faire le truc avec le PVP et tout ça, il devrait mettre juste un mode PVP on et un mode PVP off, ce serait beaucoup plus simple. Hein. Fait penser à un certain jeu édité par Blizzard, ça. Ouais, non, mais on s'en fout que ce soit édité par Blizzard ou pas, en vrai, ça serait quand même carrément plus simple. Tu veux PVP, tu mets ton PVP ok, tu veux pas PVP, tu mets off. Bah non, mais je sais pas. Bah oui, mais... Par contre, ils disent que quand tu mets le mode pacifiste, il y a un truc en plus, mais je vois pas ce que c'est. Moins 100% de dégâts. Parce que non, en mode pacifiste, vous ne pouvez pas blesser les autres joueurs et vous choisissez de ne pas participer en JCJ, joueur contre joueur. Les autres joueurs peuvent toujours vous. D'accord, je peux voir la suite de la phrase. Toi, tu fais plus de dégâts, mais les autres peuvent te tuer. Non, mais je pense que les autres peuvent toujours nous taper pour voilà, mais vu que tu réponds pas, ils font que 5% de dégâts, un truc comme ça. Bon, du coup, après ces passages épiques, hein, où Lonelan essayait de désespérément de changer ses options sans vraiment y arriver. Donc, moi, j'étais sur le toit pendant tout ce temps. Ils vont enfin pouvoir fouiller ce coffre. Alors, les deux gars qui étaient en train de me tourner autour, là, ils ont pas arrêté hein, pendant 5 minutes à me tourner autour. Ils étaient deux, donner des coups de machette. Ils ont même balancé deux grenades. J'ai perdu en tout et pour tout le tiers de ma vie, puis ils sont partis. Ils devaient en avoir marre, je pense. Il y a un protectron en bas, je veux bien ton aide. T'arrives pas à t'en sortir? Allez. C'est pour toi, hein. C'est vraiment parce que c'est tout. Oh merde, y'a... On l'a cassé. Niveau 6. GG. Avec du retard, probablement sur toi. Enfin, ouais. Sûr même. Oui, tiens, t'as peut-être oublié de fouiller le... Dans les toilettes, il y a le miroir, c'est des armoires à pharmacie en fait. Je sais pas si t'avais regardé. Non, j'avais pas vu. Eh, d'accord. Bon, j'avais rien dedans, mais j'avais pas vu qu'il y avait potentiellement des choses dedans. Des molettes, tournevis. Neuf accolables sur un. Et je commence à fouiller quand tu rentres alors qu'il y a plein de trucs. T'as, il y a même une maf là. Mal, pardon. Grenade de fragmentation, steam pack. T'as vu le coffre-fort, il est déverrouillé? Je suis plein. Je n'arrive pas à avancer. Ah oui, c'est vrai que t'avais pas encore posé ton camp du coup. Bah non, parce que j'étais trop proche du.
Bah, C'était sur. ce coffre-fort là que tu parlais ou pas? Ouais, il est Ou toi? ouvert? Bah, je l'ai ouvert, oui, j'ai. Ouais, non, parce qu'il était fermé à clé et c'est un des gars qui l'a déverrouillé, mais peut-être qu'il se reverrouille tout seul au bout d'un certain temps, c'est pour ça. Alors, du coup, tu voulais qu'on pose ton truc. Alors, attends, on va essayer de regarder vite fait. Attends, j'ai vu un truc Bah, là. histoire que je puisse continuer à marcher parce Ah, c'est que mieux, c'est mieux. Alors. Je vais regarder par là. Essaye du. Après, si tu le places de. De gérer ton les événement plans et tout ça, de voir si ça marche. Bon, par là, il n'y a pas l'air de pouvoir. événement nourrir les habitants 4 minutes 4. T'as une armure d'assister ici. Enfin, pas d'assister, mais assister. Vide, forcément. Parce qu'il y a des pièces normalement de base. Elle est vide celle-là. Comment on fait pour grimper là-dedans? On fait l'objectif ou pas? Bah ouais, mais il faudrait d'abord que tu trouves comment. Je peux pas poser le camp là pour l'instant. Comment je fais pour entrer Je suis dans la là-dedans? cambrousse ou un truc du genre, mais. Vas-y, hein. Tous les 10 mètres, je me traîne parce que j'ai consommé tous mes points d'action. C'est l'air horrible ce que t'es en train de vivre. Aïe, enfin, je suis assez loin T'as réussi à le de la poser? civilisation. Voilà. J'arrive. J'ai quitté l'événement. Ah, oh, super. Non, je reviens dedans. Ouais, en fait, tu es d'accord. La ville, oh, c'est ça. Alors, transfert. C'est un Et oui, transfert, non, c'est quoi? t'as essayé de placer ton plan directement? Ça a placé directement le. J'ai déplacé mon camp, mais ça a rien placé Et tu peux pas d'autre. charger le plan ou un truc comme ça que t'as sauvegardé, voir si ça marche? Je sais pas comment faire. Bah, tu vas sûrement dans l'onglet plan. Oui, mais j'y vais, moi. Je pense, hein. Plan A, budget. Putain. Maintenir plan. Tiens, tu vas être content, l'armure d'assisté immunise contre tes dégâts de chute. Je ne sais pas. Défaut d'alimentation, maintenez A pour sortir. D'accord, mais tu peux quand même t'en servir quand t'as plus d'alimentation, sauf que tu t'en sors en marchant. Enfin, tu t'en sers en marchant. Hop. Appuyez sur Y pour récupérer le châssis. Il s'intègre dans votre inventaire dans la section objets tenus. Ouais, ça doit peser une tonne ce truc-là, on va pas récupérer maintenant. Alors, t'es où? T'es à l'ouest où je suis, très bien. Oui, je pige pas trop. Qu'est-ce que tu piges pas? T'as réussi à le placer via le plan? Je suis pas sûr. Je sais pas si le plan. En fait, j'ai pas l'impression que le plan repositionne tout comme tu avais choisi. Mais en fait, il te donne une liste d'éléments que tu as. Bah normalement si, d'après ce que j'ai lu, mais il faudrait que je teste aussi plus précisément. Ah, tu peux poser Ouais, la je sais cache pas. aussi, s'il te plaît? Le Bah, elle coffre? était pas dedans, mais. Non mais c'est dans en stock, c'est pas dans en plan, mais c'est Oui, je sais, juste. je l'ai fait. Voilà, merci. Du coup, j'aimerais bien transférer moi, mais donc déjà tout le Ouais, bric-à-brac. c'est que le truc là il va partir là. Combien de temps il reste? Pas longtemps à mon avis. Attends, je vais retourner dedans, on va voir. Rappel de l'armure d'assister en 60 Bon secondes, allez, on s'en c'est fout. bon, moi je suis suffisamment. Hop, Il reste une je l'ai. minute. Non mais laisse tomber, regarde, l'objectif est pas fait du tout, on a une minute pour le finir. Ça passera jamais. Je suis pas dedans encore. Alors, X, donc attends, je vais virer les trucs en net parce que je vais afficher par poids. Non, c'est pas ça, c'est l'autre côté. Trier valeur, non. Trier poids. Si je me rappelle, et dès que tu fais un tout petit peu, t'as des récompenses quand même. Bah non, le dernier coup, on l'avait fini. Ouais. Coq de chien. Oula, il y a beaucoup de monde dans le coin. Viande de chien errant. Baume de soin. Tiens, je vais me servir de baume de soin plutôt que de. Mouche Je crois que je vais avoir. bouffie Va falloir que tu tardes parce que. grillée. Ouais, mais je pose toute ma saloperie. Merde, je viens de poser un. Viande avariée, pareil. Non, parce que là je suis vraiment dans de beaux draps. Ah, mais à ce point? Ouais, 1v4, ça commence à devenir compliqué et j'étais dans. Bon, c'est bon. C'est dingue ça. Je te laisse 30 secondes tout seul et ça y est, t'es déjà en train de faire des conneries. Merde, j'ai chaussé dans Comment l'eau. ça, déjà? J'arrive. Ils sont beaucoup?
Ils sont beaucoup, mais bon, je vais m'en sortir. Sauf si je lance une grenade. Alors, si pour m'aider tu viens me tuer. N'approche pas trop du feu par contre. Ça peut brûler. Le feu, effectivement, ouais. Il y a des risques, il y a des risques. On n'a pas encore vraiment fait le lien entre, entre les flammes et le fait que ça brûle, mais. Si on brûle, Les tas de fumée, les tas de poussière, c'est des cadavres qui ont été tués avec des armes laser. Visiblement, je peux pas les fouiller parce qu'ils ont pas été tués par nous, je pense. Mais si jamais, un jour, on a des armes laser et que tu vois un petit tas de fumée, bon, bah, c'est un cadavre. On peut les liquéfier aussi, je crois que c'est avec des armes plasma, ça. Devinez le mot de passe, si vous vous trompez, l'indice de similarité réel. Ah oui, tu connais pas, toi, c'est vrai. Je peux hacker, visiblement. Alors, si c'est comme dans Fallout, oui, bah, vu que tu dois t'occuper des ordinateurs, donc, en fait, t'as plusieurs mots qui sont écrits, en plus de tous les petits caractères. On est d'accord? Ouais. Voilà, il faut que tu trouves, tu cliques sur un des mots, t'as 4 essais, tu cliques sur un des mots, et ça va te dire combien tu as en commun avec le mot de passe. Genre, 1 en commun, 2 en commun, t'es obligé de cliquer sur 1 au début, n'importe lequel. Ouais. Et donc après tu vois, il faut que les trucs en commun, ça veut dire qu'il y a tant de lettres en commun avec le mot de passe, mais au même emplacement. En gros, si c'est, je sais pas moi, Worm... Similarité, une. Là j'ai mis Ahead. Ahead. Ahead, devant quoi on va dire. D'accord, et bah faut que tu trouves soit une lettre, il faut qu'il y ait au moins une lettre en commun avec celui-là, c'est au même emplacement pour le mot de passe. J'ai donc soit que ça termine par un D, soit ça termine par un, ça commence par un A, enfin ce genre de choses quoi. Ouais. Ah, je crois que c'est bon. Et si jamais t'arrives à 3 échecs, ouais, Fred. Je te conseille, si t'arrives à 3 échecs, de quitter le truc et de revenir et de relancer. Ce sera un autre mot de passe, mais le problème c'est que si d'accord. Tu fais 4 échecs, t'as un temps d'attente de verrouillage du PC de, je sais pas moi, 30 secondes ou une minute, ça dépend. Mais là c'est bon donc. Et du coup ça te donnait quoi comme info? Parce que pour mettre un mot de passe, ça doit être... Ligne de traitement alimentaire, même à Dolce, bah, je pense que c'était pour le... Probablement le... Pour le... la quête, tu la penses? La quête là, enfin je sais pas. Il y a peut-être un truc qui déverrouille un coffre ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas impossible. Hein. Remarque, je suis dans une pièce qui est déverrouillée là, donc peut-être que. Tu veux que je lise ou pas Bah, s'il y a un truc de probant, transférer les ingrédients, c'est quoi ça? Entonnoir. Attends, il y a une usine, à quoi ça sert? C'était pour la quête, je te dis. Bah, c'est trop tard de toute façon pour la quête, mais. Oui, d'accord, mais en tout cas, cette usine était pour la quête. D'accord. Je fouille vite fait, mais. À part la réserve, je vois pas grand chose. Par contre, fouille là la réserve quand t'auras fini ton pied de taille. J'ai plein de trucs à lire. Vas-y, vas-y, fais donc. Je me promène, moi. Si jamais il y a des choses intéressantes, tu me dis. Bah oui, là, par exemple, dans cette société capitaliste américaine, nous travaillons plus sans gagner plus, afin de permettre à notre belle entreprise de s'enrichir. C'est beau. N'oubliez pas le succès de Mama Dolce et le succès de votre famille. C'est merveilleux. Il y a un badge là-haut, je sais pas à quoi il sert. Bah, ouvrir une porte, certainement. Probablement. Je pensais que ça servait pour le PC, la pièce, le PC. Peut-être que c'est le badge. Oh, aucune idée. On peut aller jusque sur le toit. Là, ça redescend de ce côté-là, donc on s'en fout. Je vais aller sur le toit voir. Bon. Sur le toit, il n'y a rien de probant. Hein. Vide, archi-vide. Il y a une caisse à outils. Ouh ! Top prestige, on s'amuse. Il n'y a rien d'autre en fait. Bon, bah, on va redescendre, écoute. Commande du coffre-fort. État du mécanisme de verrouillage du coffre-fort déverrouillé. Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est la salle derrière. Que voir que tu penses à fouiller avant de partir. Charger l'holoband. Ah, ça c'est pour charger. Ah, mais il est là le coffre-fort. En fait. Peut-être que le PC ça sert pour le coffre-fort. Il est là, juste dans le coin. Peut-être que le PC sert pour le coffre-fort et le badge sert pour la porte qui était de l'autre côté. Du coup. T'as trouvé le... non, t'es encore sur le PC?
Non, c'est bon. T'as pu fouiller aussi le coffre vert? Ah, j'ai tout fouillé. Ouais. J'ai tout pillé, j'ai tout pris. Et je suis beaucoup moins lourd qu'avant puisque j'ai viré les 15 steaks que j'avais. Ah, du coup, la salle juste ici. Ah, que tu fouilles cette salle-là, et puis après, bah, on va s'arrêter là pour l'épisode, je pense. Derrière, okay. Ici. Cette salle-là. Bon, du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. La prochaine fois, on continuera notre aventure sur Fallout 76. Peut-être la quête principale, peut-être qu'on va se balader encore... explorer du paysage, fouiller des usines abandonnées ou je ne sais quoi encore. En tout cas, on vous dit à la prochaine. Allez, salut.